Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre série originale sur Citico. Nomi, nous sommes en compagnie de Benjamin. Salut à tous. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nouveau véhicule. On vous avait présenté les ordures classiques, les ordures plastiques. Plastique. Voilà, et aujourd'hui on est sur la collecte de papier avec un véhicule qui a un fonctionnement totalement différent. Vous pouvez le voir d'ores et déjà, il y a une sorte de perche au-dessus. Voilà, qui va ramener le papier. Enfin bref, une animation plutôt sympa. Vous allez voir ça. On va sélectionner une mission ensemble. Du coup, regardons qu'est-ce qu'on nous propose. Donc le verre, le plastique, le papier. Et voilà, c'est parti. Donc on va se rendre sur les lignes inter. Demi-tour. Donc c'est un véhicule au niveau des interactions qui fonctionne quand même assez de manière similaire à ce qu'on a déjà vu, puisque de toute façon charger une poubelle, il n'y a pas mille manières de charger une poubelle hein, quand même les gars, c'est pas déconner, mais j'aime bien l'animation, certes un peu longue pour vider un conteneur, mais il faudra qu'on m'explique. J'aurais peut-être une chose à vous demander dans les commentaires si vous êtes un petit peu dans le milieu du service ou peut-être que vous connaissez des gens qui exercent ce métier ou ce genre de choses. J'aurais peut-être une question à vous poser et franchement, je compte sur vous pour m'apporter la réponse parce que c'est un peu de l'incompréhension. Niveau de ce véhicule, toujours très bien réalisé. Hein, graphiquement, c'est loin d'être dégueulasse quand même, on peut encore une fois le dire. On a toujours ces petites lumières avec l'accent du sud qui pop, t'as vu dans ma bouche, directement. Qui pop dans ta bouche. Pop dans ma bouche. Avec bah voilà, un véhicule, encore une fois, de marque MAN, puisque tous les véhicules du jeu sont de marque MAN. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un petit chèque ou quoi? On ne sait pas. Bref, on ne le saura jamais. Peut-être un placement produit, tu sais. Oui, je pense aussi. Hein. Donc, du coup, on a 4 poubelles à prendre en charge. Il est 9h24 du matin, donc fini la... Gros la orage. Et on est sous l'orage, effectivement. Cette mission nous rapportera 3000 euros, ce qui est pas rien dans le jeu, quand même, faut le savoir. 200 d'XP et plus 15 de satisfaction citoyenne, donc plutôt sympa quand même. On est sur quelque chose de propre. Oh bah, la petite blague, on est sur quelque chose de propre. Merci de l'avoir relevé, ça me fait plaisir. Merci, Tony. Là, c'est, je suis content. Là, tu as relevé ma blague. Oh bah, je suis dans l'esprit comique aujourd'hui. Hein. Ah bah, écoute. Avec hein. Alors on descend du camion, on appuie sur les interrupteurs, ça descend la fourche, jolie fourche. Je crois qu'on a une animation synchro en fait. Ah sûrement ouais. On met la belle. On est en train de faire la même chose en même temps. Hop, et on appuie sur l'interrupteur et regardez l'animation. Donc la benne se cale, hop, ça descend, ça s'équilibre, ça se met à niveau et hop, on est au-dessus de la benne et ça c'est cool. Alors pourquoi clairement on, alors c'est un véhicule qui existe vraiment, hein, faut le savoir. Alors je sais pas s'il est dédié à 100% au papier ou si il y a d'autres utilités à ce type de camion. Mais pourquoi le papier se charge-t-il par le haut? Je sais que le verre se charge par le haut. Ouais, donc ça ouais, je le vois tous les jours également. Mais le papier, pourquoi il charge par le haut? Est-ce que il ne faut pas qu'il soit trop écrasé? Mais en même temps, je me dis, il y a un compresseur, donc... Ça, c'est bien les Allemands, ça. Je ne comprends pas ce véhicule, en fait. J'avoue, on pourrait très bien charger le papier, en fait, oui, comme de manière classique. Par derrière, quoi. Bah ouais, voilà. Donc, bon, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, et puis on en parlera ensemble, voilà. Pas de problème. J'essaye de faire des manœuvres de fou dans les bois, moi. Dans les bois, carrément. Bah, trois arbres, c'est des bois pour un Parisien. Ouais, le mec est carrément en Amazonie, quoi. Oh merde, les gars, il y a deux puissons et quatre fougères. Oh, tu vois, oh, peu cher, on va se trouver dans les calanques. Peut-être des migales à l'intérieur. Et peut-être des serpents, attention. Ah, le foutage de gueule, ok. Bon, moi je suis bien, t'en es où avec ta poube? J'en suis en posage, voilà. Ok. Finissage d'animation. D'accord, très bien. Hop là. Oui. Point et argent. Du coup, je sélectionne notre mission, les amis. Recyclage de papier. Hop, bah, ils sont encore à côté, donc ça va. On a de la chance pour l'instant. On est. Pour moi. Bah, pour nous.
On a de la chance pour l'instant parce qu'en fait les poubelles sont pas trop éparpillées sur la map. Je sais que j'ai eu des missions en solo parce que j'ai avancé un peu en solo hein, pour débloquer l'argent, etc. Pour acheter plusieurs véhicules, etc. Bah oui, parce qu'en fait en solo tu peux envoyer des employés qui font les tâches à ta place. Du coup, j'allais dire oui, tu veux pas jouer avec moi, tout ça. Non, non, pas du tout. C'est de telle manière que voilà, actuellement j'ai un tout petit peu de time, donc je me permets d'avancer. Donc voilà, je débloque des véhicules, des compétences, etc. Ce qui me permet déjà de préparer les prochaines vidéos sur le jeu. Et donc, du coup, pour en revenir là où j'en étais, où je ne sais plus où j'étais d'ailleurs, au passage, merci déjà. Hey. De rien, je te coupe, je suis là pour ça. Donc du coup voilà, j'ai débloqué pas mal de choses. Bah, d'ailleurs je vais vous montrer rapidement en tant qu'affaire. Voilà, j'ai avancé. Au niveau déjà des quartiers, alors bim, sur les 5 ou 6 quartiers qu'on a de dispo, j'en ai déjà 3 de débloqués. 5 quartiers, pardon, j'en ai déjà 3 de débloqués, la vieille ville, la périphérie et le quartier résidentiel. Bientôt le quartier des affaires et zone industrielle. Ensuite, ça c'est les missions principales. Ça c'est les missions, on va dire, qui sont dans le temps. Tout ça c'est les véhicules que j'ai achetés. Il nous faut plus de dépôts pour avoir plus de véhicules. Donc vous voyez déjà que j'ai le plastique qu'on le fait actuellement, le plastique qu'on l'a fait déjà. Papier, c'est en cours. On a camion poubelle classique, c'est normal. Papier, remorqueuse, j'ai testé, c'est excellent. Ils se sont fait grave plaisir. Recyclage de verre, j'ai pas encore testé. Hydrocureur compact aussi. J'ai des bâtiments plus avancés aussi. Hein. J'ai une usine d'incinération, un garage. Qui permet évidemment de pas payer les réparations en fait si on va directement au garage. Et vous voyez l'arbre de compétences qui a légèrement évolué pour l'instant. Bientôt déblocage des agents d'entretien, des espaces publics, des agents d'espaces verts également. Et je vous montre rapidement les véhicules. Alors celui-là, on vous le présente actuellement, justement. Le plastique, on a déjà vu. La balayeuse, c'est pour bientôt. Balayeuse compacte, c'est pour bientôt. Vidangeur également. Vidangeur compact. Hydrocureur, on l'a. Hydrocureur compact. Et quoi sert un hydrocureur, s'il te plaît, Tony? En fait, ça sert à nettoyer les bouches d'égout. Nettoyer les bouches d'égout. Les bouches d'égout. Et en fait, ça sert à balancer un jet à haute pression à l'intérieur afin d'essayer d'entretenir un minimum les accès, quoi. Tu vois? Ah, je savais pas. Voilà. Donc, c'est un taf de service. Clairement, hein. Je crois pas que t'en as. Enfin, moi j'en ai jamais vu en vrai. Si, une non, fois. Non, j'ai jamais vu les égouts de Paris nettoyés, perso. Ouais, mais t'as pas d'âme quoi. Tu vois. Déjà, les mecs, il suffit que tu mettes ce truc là avec un petit warning et tu bloques, tu fais un bouchon quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux que les mecs ils aillent nettoyer des trucs pour bloquer la circulation? C'est pas faux. Ouais, déjà, tu passes d'une deux voies à une voie, y'a plus personne à Paname, hein, faut le savoir. Hop, alors. Les poubelles, il y en a une là. Ça passe crème, voilà. Ah ouais, mais toi, tu fais des virages devant moi, toi. Ah, mais moi, j'ai pas de respect, gars. Moi, je m'en bats les steaks, gros. Hop. Moi, je cherche la deuxième, du coup. Elle doit être dans le secteur. Ouais, ouais, elle est juste à côté, normalement. De l'autre côté de la route, peut-être, sûrement. Je dirais même. Dommage que je puisse pas faire un zoom sur la map. Voilà, c'est le truc qu'il faudrait que je regarde dans les options. Bah, à part faire F2, quoi. Ouais, voilà. Moi j'attends la dixième prison. Alors moi je sais qu'ils vont faire une grosse mage quand j'ai pas de date. Mais je sais qu'ils vont faire une grosse mage, donc j'attends cette mise à jour. On verra bien ce qu'elle nous apporte. Est-ce que t'as remarqué que le véhicule bras déployé est pour rouler 10 km/h de plus? Pour rouler à 30 maintenant. Ah ouais? Ouais, celui-là il peut rouler à 30. Il n'y a pas de problème quoi. Exactement. Alors que t'as deux pauvres crochets derrière sur un camion poubelle classique et là tu peux juste faire des poussettes et c'est 20 km/h. C'est dégueulasse. Voilà. Oh. Tu vois l'avantage de ce camion quoi. Taper les. Faire des brochettes. Camion utilisé donc en été, bien entendu. Voilà. Hop, voilà. T'en es où sur ta poupe du tout, du coup, du tout? Je la pose actuellement. Tu la poses? Ok, très bien. Bon, on va refaire une dernière mission, les amis. Histoire de qu'on remplisse un peu nos camions. Je suis un peu tout feu tout seul là. Oh le mec! Attends. T'as pris une mission juste ici. Ouais, bah c'était la seule dispo en même temps. Et ça va, c'est pas les poubelles, c'est pas trollé quoi. Y'a une imprimerie à côté ou quoi là? Non, on est pas à côté de chez toi. Ah oui, oh. Donne pas des indications aux gens. Ah oui, merde.
Oh bah je crois que là, bah, je te laisse la première du coup vu que t'es là. Ah bah là... Coucou. Non, je suis plus ou moins là, il y a un piton devant moi. Écrase-le. Il s'écrit sur le passage piton lui ou quoi là? Oh, mais écrase-le, sûr, de l'argent, on s'en fout. Le SP n'existe plus de toute façon. Écrase-le, de l'argent. C'est ça, on pourra payer. Dans la vraie vie, ouais. Non, mais non, mais non, mais là on n'est pas dans la vraie vie, go. Ça passe. Oui, j'espère. Toi, ah, si tu devais payer un avocat à chaque fois que t'écrasais quelqu'un dans GTA V, c'est pas pareil. Quoi. Faut que tu rayes un feu. C'est chaud quoi. J'imagine, ouais. Ah mon dieu. J'ai l'animation de ma poubelle à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pas mal. Oui, oui, des fois, ouais, quand t'es trop proche des murs, tu peux. Éventuellement... Oh, excuse-moi de rouler sur le trottoir quoi. Alors, du coup, on replace bien la poubelle parce qu'on a un bug des minimaps. Je sais pas si c'est ma poubelle ou la tienne. Moi je la vois très bien ma poubelle. Alors ça va être plutôt la mienne, je ne sais pas. Ouais, sûrement. Voilà, j'ai bien la mettre. Voilà. Ah, oh, c'est toi qui passes mal tes poubelles. Ouais, mais en même temps je suis feignant, tout ça, tu vois. Attends, t'as repris ton bras. Moi je fais la course à 30 km/h quoi. Ah ouais, non. Le mec qui veut m'empaler quoi. Plus ça vaut. Opération but et Tony quoi. C'est... Hop. Je vais chercher celle-là. Moi. Allez. Alors j'aime beaucoup parce que je trouve quand même que les vérins sont vachement bien réalisés, tu vois. Niveau des couleurs, ils ont mis des taches dessus. Enfin, ils sont vraiment fait chier à faire quelque chose de plutôt pas dégueulasse. Attends, je suis en train de faire l'édition spéciale du monde là dans la poubelle. Le mec qui récupère des magazines de cul. Je te vois venir, hein. Oh, ce playboy. Arrête. Merde. Arrête. Hein, je te vois venir. C'est. Dégueulasse. Bouh. N'importe quoi. Je trouve pas quand même, dans l'animation en elle-même, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de papier qui tombe pour un conteneur de je sais pas combien de litres. De papier. Bah écoute, bah c'est vrai qu'ils sont à mon avis limités en termes d'objets. Ouais, bah je pense que c'est pour la bonne cause. Je pense que c'est pour la bonne cause de ta machine surtout. Et j'ai un autre truc. Je sais ce que je fais ou un truc comme ça, j'ai pas eu le temps de le lire. Alors moi je vais aller vider le camion. Bah, je vais te suivre si j'arrive à le faire. Alors par contre pour vider le camion, c'est... Est-ce qu'on a un... D'accord, c'est un peu de l'autre côté de la ville. Donc on va aller par là. Hop. On gruge un peu. Et c'est parti. Par contre l'environnement sonore est vraiment bien. Oui. Alors c'est vrai que si on est dans les vieux quartiers, on va entendre un clocher par exemple. C'est plutôt pas dégueulasse. Ah, t'es parti par où toi? Ok, j'étais en train d'aller tout droit moi. Ah, moi aussi je vais tout droit mais sur l'objectif en fait. D'accord, bah je vais essayer de couper par là. Moi je coupe mais tout droit quoi. Moi c'est. Mon GPS de toute façon il est au bled. c'est le GPS qui fait tourne à droite, mais si tu peux aller tout droit, vas-y fais-toi un kiff quoi. C'est un peu un sketch de Gad Elmaleh. C'est vrai? Ouais, c'est, bah, je vais essayer de le reproduire, mais ce sera beaucoup moins drôle. Genre, c'est. Il parle quand il loue une voiture au bled. Ouais. Il fait les GPS du bled. C'est. Ah, qu'est-ce qu'il dit exactement? Je me souviens même plus du sketch. Ah merde. Ouais, c'est. Tourne à gauche. Et tourne à droite. Bon, baisse ta vitre. Demande à celui-là sur le chemin que tu cherches. Ah, d'accord. Un truc comme ça et. Genre, j'ai pèse, il a un peu lui-même, il demande aux autres, tu sais. Donc là, je vais faire un virage à 180 degrés. Ah, moi, je vais décharger. J'ai un gros orage, je ne t'entends plus. Je trouve que c'est vachement bien fait le bruit de la flotte aussi, genre de truc. Petit détail bien, ouais. Bien con. Mais... Ah, même la flotte est pas mal faite. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais. Certes, ça fait pas des grosses flaques par terre, on n'est pas dans un environnement ouais. Frostbite 54 sur des Intel Core i50. Voilà, on est d'accord, mais c'est plutôt bien réalisé, je trouve, quand même. Oui, en soi, c'est bien réalisé. Pour le jeu, sincèrement, de ce qu'on en attend, plutôt pas dégueulasse, quoi. Allez, tu peux passer. Il y avait des bouchons, quoi. Regarde-moi ce parking de professionnel. Hop. Quoi ? Pas trop, non. Ça passe pour toi ? Ouais. Ah, mais l'animation est dans le bâtiment, c'est pour ça que je me disais. Ah, gros! T'es dans la merde!
Bon bah les amis, nous on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit commentaire. Et n'oublie pas la petite question sur ce camion, hein, vraiment, si tu peux m'expliquer pourquoi ça tombe dans le rouge, je sais pas moi. Voilà, on vous remercie et puis on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye.